on a un autre acteur qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà au Hackathon, c'est le laboratoire pharmaceutique Lilly. Et on a Stéphane Minard qui a participé, comme Grégory aussi, à l'événement et qui est venu sur place. Comment ça va, Stéphane ? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. J'en prie. Alors Lilly, vous, c'est pas tout à fait les mêmes domaines d'activité, même si c'est de la pharma. Peux-tu décrire plus en détail ce que fait Lilly ? Oui, bien sûr. Lilly travaille, c'est un laboratoire américain qui a été créé en 1876, qui est basé à Indianapolis, qui assure une présence mondiale et qui couvre principalement 5 aires thérapeutiques, la douleur, l'oncologie, le diabète, les maladies neurodégénératives et l'immunologie. Donc, et la particularité de Lilly peut-être, donc c'est un groupe avec 33 000 salariés répartis dans 120 pays et avec un fort focus sur la recherche, la R&D et l'innovation puisque c'est un petit peu l'ADN de la société. Voilà. Donc au sein de Lilly, moi je m'occupe de tout ce qui est technologie et marketing digital pour 6 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Nord-Ouest africain. Et alors, comment Lilly aborde cette question du numérique au sein des équipes et auprès de vos clients ? Donc, comme Grégory l'a évoqué, la question du numérique est vraiment très, très large et elle touche toutes les verticales et de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, aussi bien la partie R&D, je peux juste citer, par exemple, le criblage de molécules via l'intelligence artificielle, les tests cliniques aussi in vitro, in vivo, in silico. Maintenant, c'est vraiment des grandes disruptions dans la partie R&D. La partie industrielle aussi est très 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 touchée et bouge beaucoup. On va utiliser l'intelligence artificielle aussi, par exemple, pour faire de la maintenance préventive. La supply chain est aussi impactée et vous avez certainement déjà évoqué certainement très souvent l'utilisation du blockchain pour tout ce qui est le suivi des produits. La commercialisation, c'est une évidence, travailler à distance, interagir à distance, faire de la vidéoconférence, c'est un must. Et puis, il y a un nouvel élément qui est plutôt la partie disruptive dans la chaîne de valeur de l'industrie de santé, c'est le passage et la mutation d'une activité qui est purement industrielle de production de molécules et de médicaments à une activité additionnelle plus servicielle, avec les interactions directes avec le patient, les applications et la valeur ajoutée qui peut être apportée en termes d'accompagnement dans la prise des médicaments et dans la prévention. Donc ça, c'est un nouveau domaine dans lequel Lilly s'investit notamment à travers, par exemple, dans le domaine du diabète, qui est une de nos activités principales, le lancement de stylos connectés, d'app, et pour arriver demain, un système fermé de pompe à insuline pilotée. Voilà, donc on est vraiment dans des innovations et dans le numérique qui touche chacune des verticales de l'entreprise. Mais alors ça veut dire que l'ensemble des employés doivent changer leur culture de travail, leur manière de faire, de comprendre et de maîtriser ces technologies. Est-ce que au sein même de Lilly, vous avez une équipe informatique comme celle de Google ou est-ce que vous appuyez sur l'innovation externe ? Alors, c'est une bonne question, mais c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui. Donc, depuis 3 à 4 ans, au sein de Lilly France, nous avons créé un InnovLab qui a plusieurs objectifs. Un objectif, on va dire, d'acculturation de nos salariés avec l'innovation et avec de nouvelles façons de travailler, notamment des façons de travailler plus agiles. Un aspect aussi découverte et regard vers l'extérieur pour identifier dans l'écosystème, des startups, des partenaires avec qui on souhaiterait travailler. Et puis, une partie plus transformationnelle et d'idéation où on implique les salariés sur de la co-création afin de mettre en place des innovations dans leurs activités quotidiennes. Et est-ce que tu vois des freins justement à cette digitalisation de l'entreprise à tous ces niveaux-là ? Il doit y avoir des freins en interne, qu'ils soient humains ou physiques, il doit y en avoir ? Il y a forcément des freins. Il y a des freins qui sont réels et des freins qui sont, on va dire, culturels. Les freins culturels sont souvent dans le domaine pharmaceutique autour de la réglementation, de la régulation.
Et souvent, ce sont des freins qui sont, on va dire, qui peuvent être dépassés en adaptant les approches à un contexte qui évolue. Et puis, il y a effectivement un facteur humain, et c'est pour ça qu'on est persuadé que travailler avec des entreprises extérieures, avec des startups, avec des initiatives telles que le Hacking Health permet de dépasser un petit peu les préjugés, de se nourrir et puis d'apporter de l'innovation à l'intérieur même du groupe. Si tu devais demain réinventer le modèle économique de la pharma, par où tu commencerais? Ah, c'est une question très, très complexe. En 5 minutes ou en quelques minutes, ça va être très difficile. Mais non, je dirais que peut-être que ça serait je pense que on est dans un environnement, dans un contexte qui le permet, c'est de partir plus directement du patient, de ses besoins, et de ses besoins qui vont largement au-delà de la partie thérapeutique. Son accompagnement, son suivi, comment faciliter sa vie quotidienne et comment travailler peut-être plus en amont sur la partie prévention et identification des pathologies. Je pense que c'est vraiment une orientation qui est très bénéfique pour les patients et pour l'industrie. Les perspectives futures de Lily, notamment avec le numérique, mais pas que, c'est quoi ? Les perspectives, c'est le développement de la partie, ce qu'on appelle Digital Health, la partie santé connectée. Donc, j'évoquais le diabète, mais c'est une activité qui va s'élargir sur d'autres types de pathologies à travers, non pas sur le diabète, nous sommes plutôt sur la partie objet connecté, suivi patient, mais on peut très bien envisager sur d'autres pathologies des solutions qui sont plus autour du serious game, de la gamification. Voilà, donc on a d'autres pathologies qui vont être adressées dans les futures années. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, en tout cas merci de soutenir le Hacking Health Camp depuis toutes ces années et puis de venir. Hein, cette année on n'a pas eu d'équipe à cause de bien sûr la situation complexe, mais bon, chaque année on est heureux de vous accueillir et puis de vous aider aussi et d'accompagner l'entreprise dans votre transformation digitale. On espère qu'on pourra être avec vous l'année prochaine sur site. Et je voulais juste rappeler aussi que ce qui est important pour nous, c'est qu'on a un site de production effectivement en Alsace, important, avec 1200 personnes. Et c'est pour ça aussi qu'on est très, très impliqué dans le Hacking Health et qu'on souhaite poursuivre le partenariat avec vous, continuer à travailler avec vous. Super, merci.